Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat qui est la fenêtre de tir pour être maman. J'ai entendu à la radio l'autre jour que c'était une fenêtre qui était de plus en plus courte parce que les femmes reculaient ce moment-là. Et moi, je vais vous parler de mon expérience en tant que love coach et aussi du fait que retarder cette échéance n'est pas forcément une bonne idée. Et je vais vous expliquer pourquoi et comment. Je suis Bénédicte Anne, je suis Love Coach depuis 2004, j'ai créé des Cafés de l'Amour, j'ai publié 4 livres sur le sujet de la relation amoureuse et du sabotage et j'ai dirigé une agence de rencontres pendant une dizaine d'années. Je suis une femme de terrain et j'ai une grande expérience de toutes les situations amoureuses que vous pouvez rencontrer au cours de votre cheminement vers l'amour. Alors, cette histoire de la fenêtre de tir est effectivement une vraie question. Parce que moi-même, je suis des jeunes femmes qui ont entre 25 et 45 ans. Et il faut savoir que la plupart d'entre elles, la moitié d'entre elles, disons, ne pensent ne pas vouloir d'enfants. Et très, très, très vite, très souvent plutôt, se réveillent en général vers 35, 38, 40 ans. Et là, tout à coup, la donne change. Donc la première clé que je vais vous conseiller si vous voulez être maman, c'est déjà de faire de la place dans votre vie pour un homme. Donc la carrière, c'est bien. Mais si vous n'êtes que en couple avec votre carrière, il est clair que vous n'allez pas pouvoir rencontrer quelqu'un. Donc faire de la place, ça veut dire chez vous préparer l'espace pour pouvoir l'accueillir, éventuellement faire le feng shui de l'amour pour améliorer vos chances de le rencontrer, mais surtout dans votre tête, être clair sur le fait que vous avez envie de rencontrer quelqu'un pour pouvoir faire un bout de chemin et devenir maman avec cet homme, dans évidemment le projet, la durée et le respect, c'est ce que je vous souhaite. La deuxième chose, c'est bien sûr de chercher cet homme. Donc comment vous allez faire pour rencontrer cet homme? Parce que vous faites toujours habituellement, vous sortez, la vraie vie, les dates, toutes les solutions que vous connaissez déjà, mais surtout vous allez éviter les relations condamnées. Donc les hommes en couple, en plein divorce, les hommes qui ont déjà 3 enfants, en bas âge, qui n'ont pas forcément envie d'en avoir d'autres, etc., etc. Et enfin, ce que vous allez faire pour vous éviter toute pression, c'est à 35 ans, si rien ne s'est passé dans votre vie, je vous invite à congeler vos ovocytes. Pourquoi? Parce que si jamais vous rencontrez la bonne personne à 43, 45 ans, vous ne serez plus obligé de faire la course pour pouvoir émettre la pression sur le monsieur pour pouvoir donc être maman. Vous savez que lorsque ce sera le moment, votre ovocyte sera là avec le sperme du monsieur qui lui ne vieillira pas et vous pourrez être maman, peut-être par mère porteuse, peut-être par FIV, peut-être pas comme vous l'auriez aimé, mais en tout cas vous pourrez être maman. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que j'accompagne plusieurs femmes, qui ne sont plus des jeunes femmes, qui ont donc eu un double don d'ovocytes, c'est-à-dire qu'elles ont été en Espagne, qu'en Espagne on leur a donné l'ovocyte d'une femme jeune, qu'elles ont donc mis en contact avec un sperme d'un homme inconnu, et elles ont fait des enfants toutes seules. Alors il y a celles qui les font avec des couples homosexuels ou des homosexuels, il y a celles qui les font toutes seules, il y a celles qui ont encore un ovocyte et qui n'ont que le sperme, mais dans tous les cas, franchement, pour les avoir accompagnés, c'est pas ce que je vous souhaite. Donc si vous avez envie d'être maman, n'attendez pas le dernier moment, préparez-vous psychologiquement, préparez-vous à ce que votre vie change, et je dirais qu'à partir de 35 ans, le tic-tac a commencé. Donc selon les générations, vous voyez, du temps de mes parents, le tic-tac c'était moins de 25 ans, on appelait ça la Sainte Catherine. Quand moi j'étais jeune, on va dire que c'était 30 ans, aujourd'hui c'est 40. Et en même temps, quand la femme est prête, l'homme est là. Et en même temps, si la femme a un programme de sabotage qui fait que par loyauté à sa mère, qui pour lui donner la vie a dû renoncer à sa carrière ou n'a pas pu épouser l'homme qu'elle aimait parce que pour différentes raisons, bref, si la jeune femme se sacrifie par rapport à sa mère dans une loyauté, quelle qu'elle soit, à ce moment-là, elle est capable de saboter ses chances d'être mère. Et j'en ai trop vu des femmes que j'ai connues à 30, 32, 34, 38, qui revenaient, qui repartaient, qui ne savaient pas, qui repartaient avec un homme qui était condamné, pour finalement se retrouver à 42 ans et être face à un constat d'échec. Alors, réfléchissez bien à cette question. Est-ce que vous avez envie d'être maman? En général, la réponse est oui ou non. Si c'est oui, vous savez quoi faire. Et si c'est non, sachez que vous pouvez changer d'avis et que parfois c'est un peu trop tard. En tout cas, ce n'est pas une question simple. On ne peut pas la résoudre comme ça. Mais si vous avez vraiment ce désir-là, c'est un désir qui ne vient pas du néant, c'est un désir qui nécessite une organisation, une réflexion, une décision. Et la première décision, un, c'est de se préparer. Deux, c'est de ne pas se tromper de partenaire et de ne pas partir dans des histoires condamnées. Ça, c'est vraiment important parce que c'est là que mes coachés perdent le plus de temps.
Et trois, d'être clair sur votre démarche. Parce que des hommes qui ont envie d'enfants et envie d'être papa, il y en a plein. Il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui n'existe pas ou qu'ils ont peur de l'engagement. Je pense que vraiment, quand la femme est prête, l'homme est là. Mais pour que la femme soit prête et claire dans sa tête, encore faut-il qu'elle se soit posée les bonnes questions. Alors à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas de télécharger mon e-book « Comment savoir s'il a envie de s'engager avec vous ?» et de regarder toutes les vidéos qui pourraient vous être utiles quant à la question de la place de la femme dans une relation amoureuse et notamment de comment faire le bon choix. À bientôt pour de nouvelles vidéos.